D'une superficie de 132 000 km² pour 11 millions d'habitants, la Grèce comprend trois unités géographiques. Au nord, la Grèce continentale avec les villes d'Athènes et de Delphes. Au sud, séparée par le golfe de Corinthe, la presqu'île du Péloponnèse avec les villes d'Épidaure et Mycène. Et bien sûr, les îles qui représentent un cinquième de la superficie totale du pays. Après les civilisations des Cyclades et de la Crète, concentrées dans les îles, c'est la civilisation mycénienne qui s'est épanouie du XVIe au XIIe siècle avant Jésus-Christ sur le continent. Puis, les invasions qui ont abouti à la destruction de cette civilisation ont marqué le début de la période de la Grèce antique, dont l'âge d'or classique se situe entre le VIe et le IIIe siècle avant Jésus-Christ, avec Athènes pour cité phare. Aujourd'hui, Athènes est la capitale et la plus grande ville du pays avec 750 000 habitants et plus de 3 millions avec sa périphérie. Mais Athènes est aussi l'une des plus anciennes villes au monde, fondée vers l'an 800 avant notre ère, de la fusion de plusieurs villages autour du site protégé de l'Acropole. L'Acropole est un plateau rocheux d'environ 148 mètres de haut, dont le sommet plat mesure 300 mètres d'est en ouest et 85 mètres du nord au sud. Elle n'est accessible que par une pente escarpée sur le côté ouest. Des vestiges d'occupation ont été découverts datant de l'âge du bronze. Puis, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, elle fait office de forteresse où vit le roi et elle est alors entourée de puissantes murailles cyclopéennes. Après la chute de la civilisation mycénienne et durant la période archaïque de l'Antiquité, toutes les anciennes fortifications, constructions et statues sont détruites pendant l'occupation d'Athènes par les Perses. Puis, entièrement reconstruite à l'époque classique au Ve siècle avant Jésus-Christ, l'Acropole cesse alors d'être une forteresse pour devenir un sanctuaire abritant plusieurs monuments et temples. Aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est l'un des sites touristiques les plus visités du monde. Majestueux sur l'Acropole, le Parthénon est le symbole de l'Antiquité grecque. Le bâtiment de 70 mètres de long sur 31 mètres de large a été construit entièrement en marbre et il est considéré depuis l'Antiquité comme une représentation parfaite de l'architecture de style dorique. Les chapiteaux des 46 colonnes de plus de 10 mètres sont dépouillés et les plans suivent un sens rigoureux des proportions. Si le travail de la centaine de sculpteurs est aujourd'hui blanchi sous le soleil, il faut savoir que les sculptures étaient peintes de couleurs variées et rehaussées par endroits d'éléments de bronze doré. Au fronton ou sur l'entablement posé sur la colonnade, les épisodes représentés relevaient autant du mythe que de l'histoire et de la politique. Et l'histoire d'Athéna, la fille de Zeus, était bien sûr à l'honneur. Elle était la déesse protectrice de la cité et le Parthénon sa demeure. En ce sens, l'édifice était plus qu'un temple, c'était un trésor qui lui tenait lieu d'hommage. L'Érechtheion, lui, était le véritable temple où était adorée la déesse. Construit peu après le Parthénon, il a remplacé un ancien temple dans lequel trônait sa statue sacrée en bois d'olivier. Les cérémonies du culte se déroulaient quant à elles sur un autel en plein air. Plus tardif donc, ici le baroque succède au classicisme et la simplicité fait place au raffinement. C'est le triomphe du style ionique. Collé au temple côté sud, il y a le fameux portique des Cariatides, où six statues de jeunes filles drapées servent de colonnes supportant l'entablement. La réalisation de ce portique est une révolution à l'époque du fait d'utiliser des femmes, même si les cannelures des colonnes sont évoquées par les plis sobres de leur péplos. D'une rare élégance posturale, chacune soutient un chapiteau qui a l'apparence d'une corbeille. Les coiffures, faites de tresses et de boucles, sont toutes différentes et surmontent des visages très nobles. C'est le dernier monument érigé sur l'Acropole avant la fin du Ve siècle avant Jésus-Christ, et il est renommé pour son architecture, à la fois élégante et inhabituelle. On repart de l'Acropole sur le même chemin par lequel on est venu.
la voie sacrée qui traverse tout le site et qui passe par les propylées, qui sont les monuments constituant l'entrée de la colline sacrée. Sur la pente de l'Acropole se trouve le plus important des théâtres de la Grèce antique, le théâtre de Dionysos, le dieu du vin. Les grandes fêtes des Dionysies s'y tenaient chaque année en son honneur. Il s'agissait initialement de chants, de danses et de sacrifices rituels prenant la forme de représentations théâtrales. Sa construction remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et au début, il comportait juste un orchestre hémisphérique, en terre battue, devant une scène en bois, les spectateurs prenant place sur la pente naturelle du lieu. La construction en pierre que l'on peut admirer aujourd'hui fut aménagée 100 ans plus tard. La première rangée de places était composée de 67 sièges en marbre à dossier, réservés aux différents dignitaires, magistrats, personnages de distinction ou arbitres de concours. Puis, en montant, le théâtre disposait de 78 rangées de sièges et offrait des places pour 17 000 spectateurs. Les grandes Dionysies se déroulaient devant la statue du dieu et sous la présidence d'un grand prêtre au printemps de chaque année. C'est pour ces occasions que furent créées les célèbres tragédies classiques d'Eschyle, de Sophocle ou d'Euripide, qui ont fait de cet édifice le berceau du théâtre grec antique et de la tragédie que l'on enseigne encore aujourd'hui dans les écoles du monde entier. Au pied de la butte sacrée, un nouveau musée a été créé en 2009 pour abriter les objets provenant des monuments et des fouilles sur l'Acropole. Construit sur pilotis, le musée préserve et intègre un site archéologique mis au jour lors de sa construction. La répartition des piliers a été dictée en fonction de l'emplacement des vestiges. D'une surface de 25 000 mètres carrés, soit 10 fois plus que l'ancien musée, il peut ainsi exposer de nombreux objets qui, jusque-là, étaient stockés dans des réserves. On y trouve notamment les originaux des cariatides qui ont été remplacés sur le site par des copies. Le but est de protéger tous ces chefs-d'œuvre qui se dégradent à l'air libre à cause des phénomènes chimiques dus à la pollution de la ville qui ronge la pierre. Quatre des cariatides sont donc originales. La cinquième est un moulage. Quant à la sixième, elle se trouve à Londres, au British Museum. On y trouve également la grande frise du Parthénon, qui représente la grande procession offerte par la ville en l'honneur de la déesse Athéna et qui avait lieu tous les 4 ans. Ce jour-là, une procession a avancé vers le temple d'Athéna, l'Érechtheion, afin de remettre des offrandes au pied de la statue de la déesse. La frise qui raconte cet événement était composée de 115 blocs et elle avait une longueur totale de 160 mètres encerclant totalement le Parthénon. 50 mètres de toute la frise qui survit aujourd'hui sont ici au musée de l'Acropole, 80 mètres au British Museum, un bloc au Louvre, tandis que d'autres fragments sont dispersés dans divers musées européens. Mais à Athènes, les vestiges de la Grèce antique ne s'arrêtent pas à l'Acropole. Disséminés dans toute la ville, les restes de cet âge d'or surgissent au milieu de la modernité, comme des indices à décrypter pour retracer son histoire. Au pied de l'Acropole, l'Agora était le lieu de rassemblement et le marché de la cité. C'était également la place où se trouvaient les bâtiments politiques, comme les institutions démocratiques et différents édifices religieux ou des tribunaux. Parmi les vestiges, une statue d'Hadrien montre l'imbrication qu'il y a eu entre le monde grec et l'Empire romain entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle. Sur la cuirasse de l'empereur, Athéna, la déesse protectrice d'Athènes, est debout au-dessus de la louve, symbole de Rome. Cela signifie que Rome soutient la Grèce,
mais aussi que la culture grecque domine Rome. Cela rappelle que Rome, après avoir conquis et brutalisé les Grecs, a été fascinée par la culture hellénistique à partir des règnes de Jules César, d'Auguste ou Adrien, qui a considérablement agrandi la ville. Mais retour à l'âge d'or de la Grèce antique. Sur l'agora se situe le temple d'Héphaïstos, le dieu du feu et frère d'Athéna, datant, comme le Parthénon, du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce temple est le monument ancien le mieux conservé d'Athènes. Ici aussi, les colonnes d'orique sont légèrement ventrues afin de donner au temple une silhouette élancée pour qu'il regarde vers le haut. Inauguré en -415, il est entièrement fait de marbre et respecte lui aussi les proportions dues au nombre d'or. Les frises évoquent le combat et la victoire de Thésée, le personnage mythique fondateur d'Athènes, contre les centaures, créatures mi-homme, mi-cheval. Tout autour du temple, des plantes sacrées telles que des grenades, des myrtes et des lauriers furent plantées afin de créer une belle harmonie. Dans la partie orientale de l'agora, la Stoa Datale est un portique qui accueillait dans l'Antiquité une quarantaine de boutiques. Il s'agissait d'un centre commercial qui a été reconstruit à l'identique dans les années 1950 et qui abrite désormais le musée de l'Agora d'Athènes. Parmi les trésors présents, une belle statue d'Aphrodite, la déesse de l'amour, de la beauté et de la sexualité, dans un magnifique effet de drapé. Et deux statues, dont l'une représente l'Odyssée, ce chef-d'œuvre de la littérature écrit au 7e siècle avant Jésus-Christ par Homère, qui retrace les aventures d'Ulysse. Et l'autre, l'Iliade, qui évoque, elle, la guerre de Troie avec comme héros Achille. Ces statues représentent les deux poèmes fondateurs de toute la culture européenne. Jouxtant le vieux quartier, l'agora, dite romaine, a été commencée par l'empereur Auguste à la fin de l'ère pré-chrétienne. Cette agora venait compléter la première, alors très encombrée. C'était une grande place de 111 mètres sur 98, entourée de quatre portiques à colonnades. Sur le côté est se dresse la tour des vents. Cette tour octogonale était une horloge hydraulique monumentale qui fonctionnait sur le principe d'un écoulement régulier de l'eau au fil du temps. Elle est remarquable pour les figures en haut relief des divinités des vents qui ornent chacune de ses 8 faces. De plus, chacune des faces du monument est exposée au soleil à un moment précis de la journée. Le large espace rectangulaire central était entouré de boutiques et comprenait des latrines publiques. L'entrée ouest a gardé sa porte monumentale matérialisée par sa colonnade dorique surmontée par un fronton. C'était la porte d'Athéna. Surplombant les agora, la colline de la Pnyx était le siège de l'assemblée des citoyens qui y votaient à main levée les lois et le budget, ou désignaient les magistrats. Le lieu était plus calme que l'agora et propice aux divers débats. Un peu plus loin se trouve l'Olympiaion, le temple de Zeus. Sa construction, qui avait débuté au 6e siècle avant Jésus-Christ, a été achevée par Adrien en l'an 131. Ses commanditaires voulaient en faire le plus grand temple du monde. Mais de ce temple de marbre de 108 mètres de longueur et qui possédait 104 colonnes de 17 mètres de hauteur, il ne reste aujourd'hui que 15 colonnes supportant encore quelques architraves. Les chapiteaux sont corinthiens, sculptés de végétaux. Adrien dédia le temple à Zeus, le dieu suprême de la mythologie grecque. C'était le dieu de l'air, du ciel bleu et des phénomènes météorologiques, le garant des lois du monde, qui, au fur et à mesure, devint le dieu des dieux.
Le cap Sounion est surtout renommé pour les ruines d'un temple dédié à Poséidon. La première mention du cap dans la littérature antique remonte à l'Odyssée, qui parle du cap Sounion comme le Saint Cap d'Athènes. Les ruines du temple de Poséidon, bâties au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, surplombent la mer d'une hauteur de près de 60 mètres. Les colonnes du temple mesurent 6,10 mètres de haut pour un diamètre de 1 mètre à la base. Leurs cannelures particulières ont été étudiées pour résister à l'action de l'air salin. Homère appelait le temple de Poséidon le promontoire sacré, et les marins y invoquaient le dieu de la mer. Selon la légende, le cap Sounion est le lieu d'où Égée, le père de Thésée, se serait jeté à la mer croyant que son fils avait péri dans son combat contre le Minotaure. D'où le nom de la mer Égée, la célèbre mer qui entoure la Grèce. Mais la Grèce ne se cantonne pas à Athènes, sa capitale. Dès le début de son histoire, les cités prédominaient et se faisaient la guerre pour asseoir leur supériorité les unes sur les autres. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans les montagnes du nord du golfe de Corinthe, Delphes était l'un des grands sanctuaires de la Grèce antique, dédié au dieu Apollon. Sur les pentes du mont Parnasse, les anciens Grecs de toutes les cités venaient y consulter la Pythie, qui était la prêtresse qui rendait des oracles censés être les réponses du dieu Apollon aux questions qu'on venait lui poser. Le sanctuaire contient un grand nombre d'édifices, dont une tholose, qui est un édifice de plan circulaire à destination funéraire ou religieuse. Il s'agit d'un édifice rare et atypique de par son architecture particulière. À l'origine, 20 colonnes doriques soutenaient l'entablement et la toiture conique décorée de tuiles. La tholose est considérée comme le plus beau monument de Delphes, mais c'est aussi le plus mystérieux. Son origine et sa destination sont encore aujourd'hui inconnues. L'activité du sanctuaire de Delphes s'est étendue sur toute la période classique de l'Antiquité grecque et même durant l'époque romaine, soit sur plus de 1000 ans. Sur la voie sacrée, une agora romaine fut même construite au 4e siècle après Jésus-Christ. Pourvue d'un portique abritant des boutiques, cet aménagement faisait partie d'un plus vaste ensemble comprenant également des thermes et des maisons. Aujourd'hui, la colonnade du portique a été partiellement relevée et l'on aperçoit dans le fond les espaces qui abritaient les boutiques. L'utilisation de la brique est typique des constructions romaines. Sur une vue du temple d'Apollon tel qu'il était à l'époque, on peut voir à ses pieds le petit portique des Athéniens appuyé sur son mur de soutènement. Érigé en 480 avant Jésus-Christ, ce portique était un édifice constitué de 8 colonnes ioniques, dont seules 3 peuvent aujourd'hui être admirées. Il abritait des trophées pris aux Perses lors des victoires navales. Sur le site, des constructions sont dénommées trésors. Lors de la consultation des oracles, des offrandes étaient portées à Apollon, et selon la richesse de celles-ci, elles étaient entreposées dans des constructions. Ici, le trésor de Sicyone recelait des statues et des éléments votifs, à l'instar du site qui en possédait plusieurs milliers d'après les témoignages de l'époque. Ici, un nombril du monde. C'était le symbole de l'unité du monde grec. Et là, le trésor des Béotiens. Anciens rivaux des Athéniens, ils devinrent leurs plus précieux alliés dans la guerre contre les Spartes au 4e siècle avant Jésus-Christ. Les Béotiens avaient auprès des Athéniens une réputation de peuple inculte, lourdeau et peu raffiné. Encore aujourd'hui, l'adjectif béotien désigne une personne peu cultivée. Les sanctuaires étaient des complexes architecturaux extérieurs aux cités et à leur politique, ce qui signifie qu'ils étaient fréquentés non seulement par les Grecs anciens, mais aussi par les peuples alentours, parfois barbares, mais qui adoraient les mêmes divinités. Le site est traversé par une voie sacrée qui servait aux processions et qui desservait tous les lieux de culte dispersés sur le flanc de la montagne jusqu'au sanctuaire.
Elle passe devant le trésor des Athéniens érigé vers 480 avant Jésus-Christ et qui commémorait la victoire grecque de Marathon contre les Perses. Parmi les nombreux vestiges plus ou moins bien conservés du site, le théâtre d'une capacité de 5000 places a été construit au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le rôle des théâtres, lors de leur construction, était très lié à la religion. Dans le monde grec, la représentation théâtrale est née de la célébration de Dionysos. Dionysos était le dieu du vin et de l'ébriété, qui permettait de passer de l'imaginaire à la réalité, tout comme l'illusion théâtrale donne une vie sur scène à ce qui sort de l'imagination de l'auteur. Le théâtre était donc un vecteur de mysticisme dans la Grèce antique. Juste sous le théâtre, le temple du maître des lieux, Apollon. À son extrémité se trouve l'autel sur lequel étaient pratiqués les sacrifices. Généralement, c'était des chèvres qui étaient égorgées. Les animaux étaient d'abord lavés à l'eau, et si durant ce rite ils frissonnaient, ils étaient alors aptes à la cérémonie. Le temple, lui, est rectangulaire, de forme allongée et mesure 23 mètres sur 60. Il possédait 6 colonnes doriques en façade et 15 sur chaque côté. Après le sacrifice, les grands prêtres s'y rendaient et là, on questionnait l'oracle. S'il fallait faire une guerre ou pas, s'il fallait se marier, s'il y avait péril à effectuer telle ou telle chose. Les pèlerins étaient séparés de la Pythie en état de transe par un rideau. Elle proférait alors des paroles incompréhensibles pour le commun des mortels, mais pas des prêtres, qui transmettaient les réponses aux questions posées. En vers jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et en prose après. Dans le temple, un feu sacré était entretenu et ne s'est jamais éteint pendant plusieurs siècles. Le stade construit au Ve siècle avant Jésus-Christ a lui aussi été remodelé par les Romains au IIe siècle après Jésus-Christ. Les épreuves sportives dont les participants étaient entièrement nus commençaient par des courses de chevaux, attelés ou pas. Puis se déroulait le pentathlon qui regroupe 5 disciplines, le lancer du disque, le lancer du javelot, le saut en longueur, la course à pied et la lutte. Et il n'y avait que le premier qui était récompensé. À Delphes, le musée archéologique pallie les manques relevés sur le site. Une maquette représente le sanctuaire tel qu'il était durant l'Antiquité. On y constate la place prise par le temple face au théâtre ou au trésor. La planche représentant le trésor de Siphnos montre bien toutes les attentions qui étaient portées à l'architecture et à la décoration des divers monuments. Le fronton fut redécouvert lors des fouilles de 1893. La frise qui courait tout autour de l'édifice montre les Olympiens décidant du sort de la ville de Troie, assis et bavardant, tandis que devant eux, les Grecs et leurs ennemis se battent furieusement. Le trésor construit en marbre brillant était précédé d'une entrée à deux colonnes qui supportaient l'architrave. Ces colonnes étaient en forme de cariatide, ces jeunes filles richement parées de robes et de bijoux ioniens. Autre merveille du musée, les statues dites de Cléobis et de Biton, appelées les jumeaux d'Argos, qui ont été réalisées vers 600 avant Jésus-Christ. Avec leur stature trapue et musclée, les jumeaux auraient pu être des lutteurs. La légende raconte que leur mère, très fière de ses fils, demanda à la déesse Héra le meilleur pour eux. Les deux frères s'endormirent alors pour ne jamais se réveiller. En cela, la déesse montrait qu'il leur valait mieux mourir que vivre, leur épargnant peut-être les souffrances, mais nul ne le sut. Dans une des salles, on peut voir des fragments des frontons du temple d'Apollon. Sur l'un d'eux est représenté Dionysos.
Dans la mythologie grecque, Dionysos est donc le dieu de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie et la démesure, ainsi que du théâtre et de la tragédie. Il est le fils de Zeus, mais ne vit pas sur le mont Olympe. C'est un dieu errant. De l'autre fronton, il ne reste qu'un morceau de lion dévorant une antilope et un fragment de jeune fille. Une autre statue montre Agias, un champion de lutte qui a malencontreusement été tué par Télémaque lors d'un combat à main nue. Son frère, Agélaos, était lui aussi lutteur, mais moins talentueux. Avec les deux statues précédentes, cette troisième faisait partie d'un groupe de sept offerts au sanctuaire d'Apollon par une riche famille. Dans la salle se trouve une copie romaine de l'Omphalos, la pierre nombrile de Delphes. L'original marquait le point où, selon la légende, les deux aigles lâchés par Zeus aux deux extrémités du monde s'étaient croisés, définissant ainsi le centre du monde. À travers les vestiges de statues et de colonnes finement ciselées, on peut apprécier le degré de savoir-faire des sculpteurs qui ont œuvré à Delphes il y a 2500 ans. Certainement, les meilleurs de la Grèce antique. Pour preuve, ce trépied de 13 mètres de haut avec trois danseuses qui soutenait un chaudron de bronze pour les offrandes, comme un gigantesque brûle-parfum. Ce sont les prêtresses de Dionysos. À côté, l'autel de marbre du temple d'Athéna présente des sculptures en relief. Tout comme les magnifiques frises retrouvées dans les ruines du théâtre. Autre vestige de l'époque romaine, cette statue de marbre représente Antinous, l'amant de l'empereur Adrien est mort à 20 ans, noyé dans le Nil, dans des circonstances qui restent mystérieuses. C'est aujourd'hui l'un des visages les plus célèbres de l'Antiquité. Autre portrait célèbre, celui de Flamininus, un général romain qui délivra la Grèce des envahisseurs macédoniens au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il fut l'un des premiers Romains à apprécier et à propager la culture grecque dans son propre pays. Mais la pièce la plus célèbre du musée est certainement l'Aurige de Delphes. Cette statue en bronze de la taille d'un homme fut commandée par un prince grec pour commémorer la victoire de son char aux Jeux olympiques en 478 avant Jésus-Christ. L'Aurige étant le conducteur du char. L'Acrocorinthe est une forteresse naturelle qui dominait et défendait l'isthme de Corinthe, qui relie la Grèce du Nord à la Grèce du Sud. Le site fut occupé du VIe siècle avant Jésus-Christ au XIXe siècle et possède de nombreux vestiges des différents occupants, corinthiens, romains, byzantins, francs, vénitiens et ottomans, qui s'y sont succédés. Les éléments de mobilier les plus anciens sont datés de moins 1000 environ, tandis que les premières fortifications identifiables remontent au 7e siècle avant Jésus-Christ. À ses pieds, Corinthe était l'une des plus importantes cités de la Grèce antique. Son temple d'Apollon est l'un des premiers temples doriques en Grèce continentale. D'après des morceaux de poterie laissés par ses constructeurs, le temple daterait de 540 avant Jésus-Christ. Il a été construit sur un ancien temple. Il y avait 6 colonnes monolithiques recouvertes de stucs de marbre blanc pour chaque façade et 15 pour chaque longueur. Il en reste aujourd'hui 7 qui mesurent plus de 7 mètres de hauteur et leur base a un diamètre de 1,70 m. Selon des récits, il y avait une grande statue en bronze d'Apollon dans le temple. Corinthe était une importante ville marchande. Elle contrôlait l'isthme de Corinthe. Elle fut en concurrence avec Athènes sur le plan économique et culturel, comme durant la guerre du Péloponnèse, où elle s'était alliée à Sparte contre les Athéniens.
Au IIe siècle avant Jésus-Christ, le site est pillé par les Romains qui annexent la Grèce entière. La fontaine Pirène remonte au VIe siècle avant notre ère. La partie grecque originale comporte 6 arches en pierre et une série de réservoirs souterrains. La colonnade et le bassin ont été rajoutés par le Romain Hérode Atticus au IIe siècle avant Jésus-Christ. Corinthe était composée de 3 parties. L'acropole sur la colline, la ville elle-même sur un plateau inférieur et son port qui était relié à la ville par la rue Le Chaillon. La large route était faite de calcaire et flanquée de chaque côté de boutiques et de temples construits sur des trottoirs surélevés. Elle débouchait sur l'Agora, la place principale de la ville antique. À 65 km au sud de Corinthe, dans une région de montagne, l'ancienne Épidaure abritait le sanctuaire d'Asclépios, un haut lieu de la médecine grecque. Ce lieu abritait des médecins très réputés et, comme dans tous les sanctuaires grecs, des épreuves sportives et théâtrales étaient organisées en l'honneur des dieux. On a retrouvé à Épidaure des vestiges importants d'équipements sportifs, mais le site est surtout célèbre pour son théâtre. Le théâtre a été construit à Fonte Colline vers 330 avant notre ère. De tous les théâtres antiques, le théâtre d'Épidaure est le mieux conservé. Les gradins de calcaire gris, presque tous d'origine, n'ont été restaurés que sur les deux ailes. L'ensemble des sièges des spectateurs se développe en un hémicycle de 55 rangées de gradins, divisé en 2 niveaux par un couloir. Il était constitué à l'origine de 34 volets de gradins séparés par 13 escaliers et pouvant accueillir 6200 spectateurs. Le niveau supérieur ajouté au IIe siècle avant Jésus-Christ compte 21 rangées de gradins, augmentant sa capacité à 12 000 spectateurs. Devant la scène quadrangulaire, dont on distingue encore les soubassements, se trouve l'orchestre circulaire qui accueillait les acteurs aussi bien que le chœur des danseurs et des musiciens. L'acoustique du théâtre d'Épidaure est renommée. Le moindre son produit au bas des gradins se propage jusqu'aux rangées supérieures situées à 22,50 m au-dessus de l'orchestre. Depuis 1955, a lieu dans ce théâtre le festival annuel d'Épidaure mettant en scène les représentations tragiques des auteurs grecs. Entre Nauplie et Corinthe, dans le nord du Péloponnèse, Tirynthe est une ancienne cité mycénienne. Dans la partie haute de la butte, que l'on appelle la citadelle, se trouve un palais mycénien qui date du 2e millénaire avant notre ère, ainsi que les vestiges d'une enceinte de construction cyclopéenne. Les pierres du rempart peuvent atteindre 3 mètres de long et 1 mètre d'épaisseur. Un chemin sous un tumulus mène à une tombe. Cette tombe royale en forme de ruche montre ici aussi un réel savoir-faire dans l'art de la construction. Non loin, un autre site de la même civilisation révèle un nombre important de vestiges. C'est le site de Mycène qui a donné son nom à la civilisation mycénienne. Tout d'abord, le cercle des tombes. De nombreuses sépultures royales ont été découvertes à l'intérieur de 2 cercles de pierre. Certaines sont des tombes à fosses surmontées d'une dalle ou d'une stèle. D'après le matériel funéraire retrouvé, ossements, pointes de flèches, poignards, masques ou bijoux, peu de doute que des chefs de guerre et leurs familles aient été enterrés ici.
Le matériel et l'iconographie des tombes montrent que Mycène était dominée par une riche aristocratie guerrière dont les représentants affichaient une taille et une force physique supérieures à la moyenne. La cité était gouvernée par un monarque appelé Wanaka. On sait peu de choses sur cette civilisation qui s'est développée à partir de 1700 avant Jésus-Christ. Elle serait venue du nord durant l'âge de bronze et aurait envahi la Grèce entière. Toujours est-il qu'elle est à l'origine de la civilisation grecque, et Homère relate d'ailleurs l'épopée d'un de leurs rois, Agamemnon, dans l'épisode de la guerre de Troie. La disparition de cette civilisation n'est pas expliquée précisément. Les causes sont probablement à la fois externes avec des tremblements de terre qui auraient déplacé les sources d'eau, ou des raids de nouvelles populations, et internes avec une administration trop centralisée et trop rigide, incapable de surmonter de nouvelles crises. Tout comme à Tirynthe, la cité est enfermée dans une enceinte cyclopéenne percée de deux accès. La porte des Lyones, formée d'un trilithe, constitue l'entrée principale. Elle possède un linteau énorme surmonté d'un triangle de décharge obturé par une plaque sculptée représentant deux lionnes dressées de part et d'autre d'une colonne à chapiteaux. L'ensemble date de moins 1250. Le palais royal, accessible par un chemin très raide, est situé au point le plus élevé de la citadelle. Il en reste peu de vestiges, mais il semble avoir été composé de trois pièces, deux vestibules et une pièce d'apparat qui abritait un foyer central circulaire ainsi qu'un trône. Le palais domine d'autres édifices de dimensions un peu plus modestes, mais aussi des habitations populaires et un quartier des artisans. La période mycénienne a été d'une grande prospérité dans le Péloponnèse. Sa flotte devait contrôler les mers et faire commerce avec la Sicile, la Crète, la Syrie ou l'Égypte. Mais les traces de cette civilisation sont tellement ténues que l'origine d'une telle affluence de richesses ne peut faire l'objet que de suppositions, et on imagine aussi, à l'inverse, des pillages ou le retour de mercenaires partis combattre les pharaons et autres hittites. Légèrement à l'écart parmi les ruines, la tombe la mieux préservée et la plus spectaculaire est certainement celle du roi Agamemnon, nommé aussi Trésor des Atrides. L'accès à la Tholos se faisait par une entrée inclinée et découverte, ou dromos, longue de 36 mètres et constituée de murs de pierre sèche. Comme les autres tombes royales, le trésor d'Atrée est formé d'une pièce souterraine à plan circulaire avec une couverture à section ogivale. Faisant 13,50 m de haut et 14,50 m de large, il a été le plus grand et le plus large dôme dans le monde pendant plus d'un millénaire. L'intérieur était décoré d'or, d'argent et de bronze. Les ruines de Mycène sont véritablement une invitation à l'imaginaire, due au peu de connaissances que nous avons de cette civilisation de la Grèce archaïque. Située à l'ouest du Péloponnèse, Olympie était un centre religieux situé dans un bois sacré d'oliviers sauvages. Le site semble avoir été occupé de manière continue depuis le début du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Olympie n'était pas une ville, mais un sanctuaire dédié à Zeus qui était uniquement habité par le personnel des temples et les prêtres. Quelques beaux restes subsistent, comme le Philippeion, qui fut érigé sur l'ordre de Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, en 338 avant Jésus-Christ. Ce bâtiment rond avec ses colonnes ioniques abritait les statues de la famille et commémorait une victoire militaire. On trouve également les vestiges de thermes qui n'ont pas gardé grand-chose de l'époque hellénistique, car sans cesse agrandis, modifiés ou décorés.
mais le bassin principal a gardé ses belles mosaïques. Les rayons consacrés à Héra, la femme de Zeus, fut probablement le premier édifice dorique connu du Péloponnèse. Il date des environs de 600 avant Jésus-Christ. Ces colonnes étaient à l'origine toutes en chêne et furent progressivement remplacées par des colonnes de pierre. Le temple mesurait 50 mètres de long, ponctué de 16 colonnes de chaque côté. Des vestiges imposants de ses soubassements subsistent. L'intérieur abritait, autour des effigies d'Héra et de Zeus, nombre de statues qui ont disparu, pillées ou entreposées dans des musées. Il reste des piédestaux de statues honorifiques qui remercient des citoyens pour services rendus à l'État. C'est dans ce temple qu'était allumée la flamme des Jeux olympiques et que l'on remettait les trophées aux vainqueurs des différentes épreuves. Car Olympie est directement et concrètement associée à un événement de portée universelle, les Jeux Olympiques. Ils y furent célébrés régulièrement depuis l'an 776 avant Jésus-Christ. C'est à l'époque classique que le stade a été établi à cet emplacement, tandis que l'entrée monumentale avec le couloir et son arche date de la fin de l'époque hellénistique. On voit encore la ligne de départ matérialisée par une rangée de pierres dans le sol, ainsi que les fondations de la tribune des juges. Jusqu'à la ligne d'arrivée, la distance à parcourir est de 192,27 m sur une largeur de 28,50 m. Il n'y a jamais eu de siège pour les 45 000 spectateurs qui se réunissaient ici pour assister aux épreuves. Ils venaient tous, comme les sportifs, de contrées disséminées aux quatre coins du monde connus, de Marseille à la Crimée et de l'Afrique à l'Asie, avec un intervalle de 4 ans entre chaque rencontre. L'esprit des Jeux olympiques démontre la puissance des idéaux de l'humanisme grec. Une compétition loyale entre des hommes libres prêts à se surpasser et avec pour seule ambition la récompense symbolique d'un rameau d'olivier. Rien à voir avec les sanglants jeux du cirque romain. Si les Olympiades faisaient partie d'un rite sacré dans un sanctuaire sacré, le Saint des Saints était bien sûr le temple de Zeus, le Tout-Puissant. Il fut érigé vers 450 avant Jésus-Christ et subit plusieurs catastrophes, notamment un incendie et un tremblement de terre qui le détruisit. Il a été retrouvé, tout comme le site entier, enfoui sous une couche d'alluvion de plusieurs mètres d'épaisseur. C'était un temple dorique colossal de 64 mètres de long qui abritait l'une des 7 anciennes merveilles du monde, une statue de Zeus d'or et d'ivoire mesurant 12,75 mètres de haut. À l'ouest du temple de Zeus se trouvent les vestiges d'un bâtiment identifié comme l'atelier utilisé par Phidias pour créer la statue de Zeus en or et ivoire. Ses dimensions de 32 mètres sur 14,50 mètres sont exactement celles de la cella du temple, là où allait être exposée la statue vénérée. Au 5e siècle, une église byzantine dont on distingue un peu partout les symboles et les ornements a été construite sur ces ruines. La palestre, elle, était un petit gymnase d'entraînement. Les athlètes s'y entraînaient au sport ne nécessitant pas trop de place comme la lutte et le saut. Autour de l'espace central, les portiques étaient organisés en petites pièces où les athlètes s'enduisaient d'huile ou, au contraire, s'enduisaient de poudre ou de cendre pour assurer les prises.
Tous les vestiges du site d'Olympie se trouvent désormais au musée archéologique où l'on trouve en premier lieu les frontons du temple de Zeus. Les deux frontons abritent des scènes mythologiques sculptées dans le marbre. Les plus grandes statues au centre mesurent 3,15 m. Les scènes représentées dans le temple sont celles de l'origine du sanctuaire et de la ville d'Olympie. Le fronton ouest représentait la Centauromachie, qui est la bataille des Lapithes, peuple du nord de la Grèce, contre les Centaures, ce qui représente la victoire de la civilisation contre la barbarie. Au centre, Apollon tente de calmer les belligérants, même s'il a clairement choisi son camp. Le fronton est représente, avec 21 statues, les préparatifs de la course de chars, l'un des mythes fondateurs des Jeux olympiques antiques. Au centre, Zeus sépare les deux concurrents accompagnés de leur épouse et de différents serviteurs. Aucune trace des chariots en bronze, tout comme les armes des personnages, n'a été retrouvée. Une salle spéciale du musée est réservée à la victoire de Paionios. De près de 3 mètres de haut, elle se trouvait sur un piédestal haut de 9 mètres au sud-est du temple de Zeus. C'est la première représentation connue d'une victoire en vol. Il lui manque les ailes et le manteau flottant derrière elle, mais son mouvement est encore visible. Elle descend de l'Olympe et est en train de poser le pied au sol. Une autre salle abrite des exemples très rares de statuaires monumentaux en terre cuite, dont Zeus enlevant Ganymède. Une belle tête d'Athéna aux yeux en amande, coiffée d'un casque et d'une couronne, est également exposée. Quelques statues proviennent de l'occupation romaine, comme celle d'Agrippine la Jeune, mère de l'empereur Néron. Une statue de l'empereur romain Hadrien date, elle, de l'an 160 après Jésus-Christ. Comme celle d'Athènes, la louve allaitant Romulus et Rémus est représentée sur son plastron. Au centre d'une salle, un taureau en marbre porte une inscription indiquant qu'il a été dédié à Zeus. On le voit, doté d'un riche passé, la Grèce est le véritable berceau de la civilisation occidentale. Durant le premier millénaire avant Jésus-Christ, elle a planté les graines d'une culture toujours en vigueur de nos jours. Première république de l'histoire, la démocratie athénienne connut une vie intellectuelle importante, rassemblant des philosophes et des auteurs de théâtre. Les Grecs sont également considérés comme les inventeurs de la logique, et les précurseurs de la physique, des mathématiques et de l'astronomie. De plus, l'art grec reste toujours considéré comme un modèle de l'équilibre et des proportions pour tous les artistes du monde entier. À travers cette histoire, la Grèce antique a fortement influencé la culture et la civilisation occidentale moderne.